bonjour, il y a eu un accident sur la 8. Non, mais un très gros accident. La personne est coupée en deux. Attendez, calmez-vous. Que se passe-t-il? Il y a des blessés? Ouais, le mec il est au sol, mais en fait, je viens de voir, il y a une deuxième personne, mais on dirait qu'elle est coupée en deux. Carrément? Ouais, il y a quelqu'un qui est coupé en deux, là. C'est noté. Bon, les pompiers sont en route, restez en sécurité. Allô, venez au plus vite, j'appelle Samu. Monsieur, on est parti, mais maintenant, il me faut savoir c'est quoi? C'est un motard qui part faire? Oui, il y a deux scooters. D'accord, ok, allez, on arrive. Vous pouvez raccrocher. Bonjour tout le monde, ici Fireman Modding. Alors avant de commencer cette vidéo, si vous aimez la vidéo, pensez à vous abonner, à la liker, à la partager autour de vous et à nous laisser un petit pouce bleu pour nous dire que vous aimez et un commentaire en nous disant ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, on va être en pompier de Marseille en tant qu'ambulancier. On va être affecté au VSAV. Je serai accompagné de mon collègue Jamel. Alors, on vient de recevoir une inter. Alors, je vais aller chercher la feuille de route. Hop, voilà, nickel. Allez, on nous dit que c'est une personne qui serait choquée. Alors peut-être à la suite d'un accident ou d'un événement qui a fait que... qu'elle est tombée en état de choc. Allez. Hop. Hop, par contre. Hop, j'ai oublié de faire quelque chose. Allez, avec, comme on entend actuellement, là on fait les vidéos avec le nouveau pack de son qui a été publié. On va passer sur la voie de tram avant que le tram y passe. Allez, on va y aller. Apparemment, c'est à 800 mètres. Allez, il va falloir tourner à droite. Allez, c'est une rue très passante, on fait attention. Apparemment, la personne serait dans le... peut-être dans le métro. Allez, on va se mettre sur le trottoir pour pas gêner la circulation. Allez, hop, je vais prendre la trousse de premier secours. Allez, on va aller... voir, la personne est là, elle est pas dans le métro, elle est juste à côté. Allez, hop, on va lui faire les premières constatations, voir un peu apparemment c'est un arrêt cardiaque. Alors du coup, et je vais lui mettre de l'épinéphrine, hop, pour aider à faire repartir le cœur. Et hop, si, hop, et je vais commencer le massage cardiaque. Apparemment, c'est une personne assez jeune. Nickel, on a réussi à la ramener à la vie. Alors tant que la personne est stable, du coup, je vais continuer. Je vais regarder les... il faut que l'intuber. Elle a besoin d'oxygène. Donc on va
l'intuber et lui donner de l'oxygène. On va commencer à 9-8 minutes. Alors on va regarder si tout va nickel. Ça c'est bon, tout est bon. Allez, ok. Donc du coup je ramène mon sac premier secours, je vais aller chercher le brancard. Mon collègue va rester avec la personne pour la rassurer. Allez, hop. On y va. Vous voyez mon collègue discute avec la victime. Allez, hop. Monsieur, venez sur le brancard. Allez, nous on va l'amener à l'hôpital. Je vais regarder quel est l'hôpital le plus proche. Alors, quel, hop, allez, on va à l'hôpital le plus proche. Du coup, tac, quoi ça? Ah ben ça nous dit directement l'hôpital où il faut aller. Ah ben, c'est nickel. Voilà, allez. Allez, on va tourner là. Ah, je voulais remercier Drixie. Je voulais remercier Jugame pour son aide. Il nous a aidé à installer les taxis, comme vous voyez là. On avait un petit problème, les taxis à chaque fois restaient jaunes. Du coup, il nous a aidé, il nous a montré comment faire pour que les taxis restent blancs. Alors, désolé pour le clic-clic, c'est un petit problème avec EMS Callout. Allez. Allez, on n'est pas loin de l'hôpital. On y arrive. Yes. Allez. Il y a déjà un collègue qui est là. Allez. Donc ça va être bon pour nous. Je coupe les deux temps. Alors. Du coup, je vais sortir le monsieur. Ah ben, il est plus. Ah ben le monsieur a dû disparaître. Bon. Est-ce que j'aurais... Ah, on est revenu à la caserne. Bon, du coup, ben, on entend les internes. Vous voyez que mes collègues sont partis, eux... sur des interventions avec les FPT, les FI plutôt. Certains pompiers sont encore là. Alors, on nous appelle pour quelqu'un qui serait en arrêt cardiaque dans un ascenseur, devant un ascenseur. Allez. Il y a mon collègue de rentrer. C'est bon. Je ferme la porte. Allez. On est à 1 km. Allez, on va se dépêcher.
Allez. Avec un seul arrêt cardiaque. On se dépêche, attention. Allez, hop, on va monter. Comme la victime se trouve en haut. Alors attention, hop. Allez, on prend le sac PS. Hop, allez. On va se dépêcher et aller voir ce qui se passe. Allez. Hop. Alors c'est une victime, elle est là-bas. Hop. Allez. Hop. Je vais me mettre là. Nickel. Allez. Hop. Non. Et je vais voir ce qu'elle a. Alors il faut split et painkiller. Ok. Donc attaque. Alors, il faut des bandages, des garrots. Et plein de killers, donc du coup c'était pas forcément un arrêt cardiaque. On va regarder, il faut l'intuber, de l'oxygène et encore un sac de sang. Alors oxygène, nickel, et IV pack, voilà. Donc le patient est stable, on va pouvoir aller chercher le brancard et l'amener jusqu'à l'hôpital dans les plus brefs délais. Eh bien, hop. Mon sac est trop gros, je passe pas. Allez. Allez hop, on range le sac, on prend le brancard. Allez, on y va. Allez, hop. J'espère que la victime restera nickel. Alors j'espère que ça va passer. S'il n'y a pas de... Oui, nickel. Il n'y a pas d'accès handicapé. Alors... On arrive près de la victime. Hop, je vais me mettre comme ça. Voilà. Non. Hop, voilà, nickel. Bon, on l'amène à l'hôpital. Mon collègue. Allez, on se dépêche un petit peu. Manière de... Hop, voilà. Mon collègue me suit. Allez. Allez, on va mettre le monsieur dans le VSAV. Hop. Le monsieur. Hop. Voyez bien, taxi marseillais.
Allez mon col. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Comment le monsieur avait une jambe cassée. Allez, nous, on va jusqu'à cet hôpital. C'est juste à côté en plus. Hôpital de la Timone, si j'ai bien regardé. C'est ça, c'est l'hôpital de la Timone. Allez. Allez, hop, on va amener le monsieur. Nickel. On va pouvoir abréger les trucs. Je vais appuyer sur H. Comme ça, voilà. Parce que là, avec ce bruit, c'était agaçant un peu. Allez, je range le brancard. Et on retourne à la caserne. C'est bon, l'intervention. Le dispatch est tout courant qu'on est arrivé. Eh ben, il a failli rentrer à l'hôpital plus vite qu'il était parti. Allez, hop. On va rentrer à la caserne. Personne, on passe, sinon on va attendre 2 heures que le feu passe au vert. On fait pareil. Allez, on rentre à la caserne. Pour l'instant, on n'a pas été rappelé. C'est nickel. Allez, je passe parce que... Hop, fais attention aux piétons. On y est presque. Ah, y a des collègues qui se sont arrêtés au niveau du comment s'appelle du restaurant. Ils doivent être en train de se restaurer. Bon, normalement dans la caserne il y a une cantine. On va laisser le vaisseau servir ici. Voilà, c'est dehors, comme ça. Si on en a besoin, il est déjà prêt. On. Hop. Hop, là. Faut que j'aille chercher le ticket. Alors. On nous appelait parce que c'est la police qui nous appelle. Il y a une fusillade en pleine rue. Apparemment, ils nous ont dit aussi que signaler que la fusillade était toujours en cours, donc il fallait se tenir à distance. On va faire attention. Apparemment ils sont là.
Alors, il m'a dit, c'est bon, la scène est sécurisée. Donc, moi, je vais me mettre là. Alors, du coup. Hop. Je vais prendre le sac PS. Alors, je vais aller voir le chef de la police pour qu'il me dise ce qu'il y en est. Apparemment, il n'y aurait que ces deux victimes. De côté de la police, je vais vérifier. Non, ça a l'air de repartir là. Nickel. Il n'y aura personne. Hop, désolé collègue. Hop, on va passer après la voiture. Donc on a ces deux victimes. Allez, on... Par contre, vu que je suis sur la route, je vais aller chercher, vite fait, mon gilet. Hop. Voilà, nickel. Hop. Hop. Est-ce que ça va marcher quand je suis assez... plus loin? Non, il faut que je ramène mon sac plus près. Par contre, ce que je vais faire, c'est un slowdown trafic dans les parages parce que je suis quand même au bord de la route. Je voudrais pas qu'une voiture me percute. Donc, hop, on va le... Je pense qu'ils ont dû avoir des plaies par balle. Alors... Et oui, il a été touché au torse, il a perdu beaucoup de sang, donc il faudrait tourniquet et V-line. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un garrot plus les poches de sang. Alors, on va regarder les constantes. Il faut l'intuber, lui mettre de l'oxygène et encore du sang. Alors. Tac, l'oxygène. Tac, et il est pack. Nickel. Donc, je vais rechecker qu'il faut toujours l'intuber. Donc, il faut plus d'oxygène. Donc, on était à 9 litres minutes. On va passer à 12. Alors, hop. Nickel. Ce que je vais essayer de faire, hop, c'est le ranimer et j'appellerai un second VSAV pour qu'il s'occupe du monsieur si j'arrive à le ramener à la vie. Pour l'instant, ça n'a pas marché. On va réessayer. Hop. Allez. On lâche pas l'affaire. On va y arriver, vous inquiétez pas. Nickel. Allez, faut lâcher. Il faut jamais lâcher. Allez, du coup, moi ce que je fais. Alors. Donc j'ai appelé un second VSAV. Hop. Je vais m'occuper du collègue. Alors, de son collègue. Hop. Allez. Le second VSAV se présente sur les lieux. Alors, pareil, tourniquet, IV-line, sûrement qu'il faudra lui mettre de l'oxygène aussi. Hop. Nickel. On va regarder les constantes. Alors, il faut l'intuber, l'oxygène, et pareil que l'autre. Donc... Hop.
Ouais, ça c'est bon. L'oxygène. Et il est pack. Bon, ils ont dit mal ou quoi? Avec le monsieur. Alors, les in vitro. C'est bon. Tout est bon. Il faudrait par contre encore un autre pack de sang. C'est bon. On va le rechecker. Ah, il leur faut de la... une intubation. Ah, je crois que c'est mon collègue en fait qui gêne. Alors, je vais peut-être le. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon collègue. Parce que c'est là. Alors, viens par ici, toi. Ah, ouais. Allez, viens par là. Bon, le monsieur est stable pour le transport. Du coup, on va essayer. Hop. De le réanimer aussi. Allez. Nickel. Allez, hop, je ramène ça, je prends le brancard. Allez. Hop. Nice. Hop, si j'ai enlevé d'abord. Allez, on y va. Avant qu'il y ait un attroupement et qu'on se fasse caillasser. On est quand même dans les quartiers chauds. Hein. Allez, monsieur, il va. Eh ben. Non. Si j'utilise pas la bonne touche, ça va pas le faire. Bon, on amène le monsieur à l'hôpital. Son collègue va à l'hôpital aussi. Peut-être que la police va nous escorter jusqu'à l'hôpital. Pour surveiller les suspects. Hop, allez. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va pas nous voler le SAV quand même. Allez, mon collègue. Alors, l'hôpital le plus proche, du coup, c'est celui-là. Allez. Voilà. Allez, hop. Tu m'as un peu coupé les deux temps. Allez, hop. Allez, on va laisser le monsieur. Nickel. Et du coup, on va le laisser là. Et c'est bon pour nous. Allez, nickel. Hop, on ramène le brancard. On va jusqu'à la caserne. Allez, on va s'insérer dans la circulation. C'est nous la caserne, elle est un peu plus loin. Hop, on va attendre. Allez, on s'insère. Oui. Le fourgon est revenu. Le BSAV aussi. On va le ranger. Et voilà. Nickel. Bon, mais pour nous, c'est une fin de mission, une fin d'intervention et une fin de vidéo. J'espère que elle vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner, à la liker, à partager autour de vous.
Et laissez-nous un petit pouce bleu et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez comme nouvelle vidéo. Et surtout, faites-nous péter la barre des likes pour nous prouver que vous aimez la vidéo. Allez, à une prochaine vidéo!